Bonjour, je vais aujourd'hui vous expliquer comment faire disparaître un foulard. Alors très simple, prenez un foulard, hein, type foulard en soie, foulard bleu, foulard rouge, peu importe la couleur. Je vous montre la tranche également, ce que ne font pas tous les magiciens. Tranche droite, tranche gauche. J'insère ensuite le foulard dans ma main gauche. Alors le but est de bien enfoncer le foulard, hein, pour qu'il se retrouve au niveau du petit doigt. Donc bien enfoncer, ne pas hésiter à pousser, etc. Alors maintenant, le foulard est ici au niveau du petit doigt, mais je peux retourner ma main, ouvrir le pouce, le premier doigt, le second doigt, le troisième doigt, mais également le quatrième doigt, parce qu'il n'y a plus rien. Alors, comment réaliser ce tour de magie, me direz-vous? Très facile, hein. Mais maintenant, il faut également le faire réapparaître, hein. Alors, pour le faire réapparaître, hein, très 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 simple, on referme la main, on souffle sur la main, une petite incantation, abracadabra, et rechercher le foulard qui se retrouve à ce niveau, donc bien enfoncé. Donc il faut tirer, 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 tirer. Et je retrouve mon foulard. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout de suite pour l'explication. Donc, explication du foulard. Le foulard, bien sûr, je le mets entre mes deux mains, mais j'ai un faux pouce. Et le faux pouce permet en fait d'insérer le foulard à l'intérieur parce qu'il est creux. Quand je prends le foulard, j'insère le faux pouce dans ma main gauche. Je mets le foulard dans le faux pouce. Quand je pousse le foulard avec le pouce, je ressors avec le pouce où le foulard est à l'intérieur et je garde ma main fermée. Voilà la technique. Donc je peux ouvrir, bien sûr, le foulard est dans le faux pouce. Quand je veux le faire réapparaître, hein, très simple, je réinsère le faux pouce dans la main gauche et je viens chercher le foulard. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt. Merci.